Tobias, t'abuses. Voilà, c'est quoi, bon. Quoi, ça t'abuse? Écoute Tobias, la dernière Kefta, la dernière fois Tobias m'a planté, je lui ai demandé 7 000 $. Voilà. T'as 48 heures pour nous ramener 7 000 $. Ouais, vas-y, je vas-y. Je te promets, tu les ramènes pas, tu auras le même sort que Tobias. T'as eu quoi, Tobias, large. Toi? Bah j'ai payé 7 000, ouais, sinon j'allais me faire planter. Ouais, c'est bon, je veux tank, hein, je crois. Écoute, c'est écoute, pas planté là pour toi. Non, t'as pas planté Tobias. Non, mais il va tank, vous inquiétez pas. 48 heures. Croyez, j'ai pas 7 000 $. Comment tu veux que je tank? Je m'en bats les cojones. T'as 48 heures. T'es dans la merde. Et tu peux me rendre mon téléphone d'abord? Kefta, t'es dans la sauce. Là, je t'ai envoyé un message. T'as mon numéro, j'ai ton numéro. Dans 48 heures, je t'appelle. Mais pourquoi j'ai pas de téléphone? Remets son téléphone. Je crois que c'est Tobias qui l'a. Non, tu me l'as montré. Faut que tu l'actives. Non, je l'ai remis. Vous montrez votre numéro. Mais comment je l'utilise? Mais tu parles. Mais qui? Comment ça, Kefta? Tu cliques dessus, t'es quoi? L'allume. De bâtard. Parce qu'il a des lacunes, excusez-le. Kefta, t'abuses quand même, hein, il abuse. Ah, c'est bon. Je t'ai envoyé mon numéro là. 722. Au pire, on peut faire une rencontre si tu veux tous les deux en tête à tête. Hein. Oh, menace. Attends, hein. Attends, si, bien sûr. Attends. Mais non, c'est pas des menaces, sale gros bâtard de ton bien, de te faire foutre. C'est pas des menaces. T'as vu ce que ça fait à chaque fois que tu me fais, t'as vu? Mais ramenez-nous à notre voiture au moins! 7 000 $. Ça va, Kefta? Mais Kefta, en vrai, tu les as appelés ou pas les balasses? En vrai? Non, vraiment, je les ai pas appelés. Ah, quoi, c'est dans ça. Vas-y, on faut qu'on aille faire le braquage de. Maintenant, du attends, de la maison. Attends deux secondes, moi j'ai des questions qui me taraudent là. Qui me taraudent? Ouais. Pourquoi on s'est retrouvé dans un bourbier devant eux? Tu peux m'expliquer? Pourquoi tu t'es retrouvé devant eux? Comment ça, devant eux? Attends, comment ça? Là, bah là, il m'a envoyé une pause, il est là-bas, nanani, nanana. Ah, parce qu'ils m'ont dit on va discuter de chill. Ah, d'accord. Et pourquoi tu m'as dit Salib, espèce de mytho? Mais non, j'ai dit c'est Kuto. Ah. Moi, je te l'avais dit. Allez, venez, va. Vas-y, c'est pas on appelle un taxi? Vas-y, il y a des taxis, Zama. On dirait, on repart comme si tout allait bien. Attends. Eh, mais regarde, je leur dois de l'argent, je suis mort. Non, tranquille. Prends-les, moi je leur ai donné de l'argent. Hein. J'ai pas, j'ai des bons supérettes, ça marche? Ouais, ça va en vrai. Vas-y. Tu les payes. Oh, paye-les en bon, quand ils vont te tuer, ça va être drôle. Paye-les en bon d'achat. J'ai envoyé un message au taxi, j'ai écrit viens, il a accepté l'appel. Sérieux? Voilà, je l'ai mis viens, c'est tout. Et il recrute chez les taxis, je vais faire taxi moi. En vrai, ouais, il recrute, je pense, y'a moyen. Tu sais que j'ai toujours fait taxi dans les villes. Ouais. Bah, c'est le métier le plus simple, le plus tranquille. Bah, c'est celui où on te prend pas la tête en fait. Ouais, en plus tu parles avec les gens, contact et tout, c'est halal. Ouais. Viens, fais taxi. Taxi, ça? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup de gens qui appellent taxi. Ouais, ils volent tous des véhicules. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Mais après, si, en vrai, c'est cool, il y a des missions aussi avec des enfin, voilà. À l'époque, je cite, des moldus. À l'époque, je te jure, ça disait ça. Des citoyens. Des citoyens lambda. Des lambda. Des moldus, ah ouais, ça c'était à l'époque. Des moldus, oh, même vous rappelez, dans les règlements de la ville, parfois il y avait écrit ne pas dire des moldus. On pas le droit. Ah ouais, de ouf. Non, mais c'était tellement banal. Vas-y, on va attendre tranquillement. Ça dit toujours. Du coup, laisse quoi le programme. On fait une petite. Petit cambriolage, chill. On se braquage. Non, petit cambu, tranquille. Je pense qu'on va se faire attraper, Inch'Allah, si tout va bien. Inch'Allah, si tout va bien, oui. Parce qu'on n'a pas de guetteur. Du coup, on va se faire péter. Sur ça. Et voilà, ça fait plaisir. Ou sinon, tu braques, moi je guette dehors, c'est bon? En ça? Ouais. Vas-y, tu vas t'ennuyer un peu, non? Non, tranquille, ils vont venir vite, de toute façon, ils vont me dire direct. Vas-y, mais comment tu m'appelles après? Avec ton téléphone, Hamar. Ah oui, c'est vrai, au téléphone. Vas-y, OP, on fait ça. Les radios, c'est chaud les radios. Hein. Ouais, sans radio, c'est vrai que ça change de la donne de ouf, hein. Un vrai des vrais. Oh, tu te rappelles le braquage? Appelle l'autre qui appelle l'autre qui appelle l'autre. Oh là là. Avec les familles, c'était le dernier braquage qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Dinguerie. T'as encore le truc des familles. Alors, ça s'arrangeait avec les familles? Moi? Oh là là, moi c'est une dinguerie. Hein. Tu l'as tué, non? Moi j'ai porté plainte. Et alors? Pour l'instant, ils m'ont pas appelé. Attends, d'ailleurs, je vais regarder s'ils m'ont appelé. Ah, mais c'était une dinguerie. Moi je m'en souviens, ils m'avaient zéré de ouf. Ah, j'ai vu. En plein mois du ramadan, hein. Archum. À tes souhaits. Ahri, ce que tu fais pendant le ramadan, c'est comment tu dois être toute l'année, pas que pendant le ramadan. Ahri. Oui, non mais je sais, oui. Mais c'est un mois où il faut être encore plus. Non mais même moi, j'aime pas les gens qui disent ça. Wouah, t'es mon pantalon, on dirait un cow-boy. Mais il est incroyable le pantalon.
Non mais là ça fait pas Tobias en fait, c'est le problème. Comment ça c'est pas... Mais ça, mais moi... ça fait trop propre. Mais moi j'ai aucun sens, ça. Moi je peux être propre comme dégueulasse. Ouais voilà c'est ça en fait, soit dégueulasse. Comme ça là t'es Tobias au moins. Ah ouais t'as raison en vrai. Ouais non là t'es beaucoup trop propre là. Faut enlever... Oh putain incroyable. Incroyable. On dirait CG en vrai. Incroyable la tenue. Ah t'as vu. Non mais il viendra pas ce bâtard, il a pris l'appel mais il viendra jamais. Attends je l'appelle, je vais l'insulter. Attends. Incroyable la radio. Bah ils ont décidé de les enlever, souci de faire play par rapport à la police. Parce que sinon c'était trop simple. Parce que ça fait 20 minutes d'appel. Ça va le chat? J'appelle mais personne n'est bien. Vous allez bien le chat? 3 km. Et très bien. Jelly, on l'attend au de la marine, à l'entrée de la marina. Oui. Là on vous attend à l'entrée de la marina. Ah, on arrive. Enfin, venez vite s'il vous plaît. Voilà. Toujours. Oui, s'il vous plaît. Tranquille. Mais ça va et toi? Allez, dans 2 minutes on va pour boire. Après on va regarder Moundir les refs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé l'épisode de Moundir. Wesh Wals, ça va mon ref. C'est bien. Il est pour boire, il a dit. Ouais, ben pour boire. Viens, on le tue. Ça, on le tue. Ouais, on le tue. Je suis chaud. Vas-y, oh, c'est imagine, on joue. Enfin, astaghfirullah. Ouais, j'ai compris. Genre. Non. Ça, en vrai, imagine, tout le monde est comme ça. Ouais. On a la taille des gens, genre. Ouais, Zalma. Est-ce que t'as vu? Écoute-moi, je veux dire un truc. T'as la cam? La cam ou pas? Est-ce que t'as la cam? Oui, j'ai la cam. Vas-y, tiens, je te la donne dans les mains. Discret. Voilà, ça fait plaisir. Oh, t'as vu stylé. Écoute-moi, wow, incroyable. Mais c'est en VR. J'abuse. Ouais, je vois. Ah non, j'abuse du bail. Merci Ben, ça va comment, ref? Oh, ça peut être une dinguerie. De quoi? Quoi? Feur. Vous pensez ça peut marcher un RP en première personne ou pas? Comme vas-y, ça on va là. Non. Faut pas de barricade aujourd'hui En vrai, non, ça fait trop mal comme ça, non? Mal, comment ça? Au crâne. Eh, mais il est venu, hein. Non, petit truc chillax. Chillax, chill, vas-y. Ouais, chillax, non. Bonsoir, monsieur. Donc là, pour commencer, on voudrait que vous nous déposiez quelque part. Par contre, vous avez mis du temps à venir, hein. Ouais, quand même. J'étais dans le nord de la ville. Ah, hein. Ouais, mais t'as vous abusé, là. Oui. Vous voulez où? On veut récupérer notre véhicule, une camionnette. Elle est vers où? Elle est vers là-bas. Miskin, il vient du nord. Elle est vers là-bas, là. On lui dit, vous abusez. Où, là-bas? Là-bas, elle là-bas. Est juste là-bas, okay. Là. Ouais, là-bas. À gauche. Au Bénise. Là, ouais. à gauche, putain, on va lui apprendre son métier. À gauche, s'il vous plaît. En parlant de métier, monsieur, mon collègue, il aimerait être recruté ouais, chez les bikers et les taxis. Je sais pas s'il y a de la place, mais peut-être. Bon, on va trouver ah de la ouais place, vous inquiétez pas. C'est où votre QG? Vous avez le numéro de votre patron? Non, je l'ai pas, moi. Ah oui, au Bénise, à droite, monsieur, au revoir. Chauffe. Allez, au Bénise. À gauche, ouais, à gauche, après. Mais vous avez pas le numéro de votre patron? Non, faut que je vois ici. C'est honteux, monsieur. Ah ouais, mais du coup, votre QG, il est où? À côté des bikers, là? Je sais pas où ils sont, QG des bikers, donc je sais pas. À côté de chez les Vera, là? Merci, monsieur, au revoir. Ça sera mon collègue qui a payé, vous inquiétez pas. Allez-y, je vais vous payer, monsieur. Allez-y. Vous faites un métier brave et honorable. Mais faut vous brosser les dents, c'est important. Oh, mais en plus, c'est parce que t'as dit que Kefta t'avait dit leur travail était désastreux. Non, t'es un gamin. Il est venu du nord, le pauvre. Archum. 400 balles! C'est pour ça que personne n'appelle les taxis, rien. Là où 100 balles, c'est une dinguerie. Hein. Non, 400 balles! 400 balles, genre voilà! Voilà! Non, par contre, moi je vous laisse. Mais ça, tu m'as allumé, en fait, gros bâtard. Je suis prêt à jurer qu'il t'a arnaqué. 400 balles! Ah bon, nous on est gentil et ça fait ça. Okay. Après, je descends du nord donc faut que. Je... Non, ouais, bah oui. Mais on s'en fout, monsieur. Ah oui, c'est vrai que l'essence du nord à là c'est au moins 350 balles. Ouais, bah ouais. C'est même pas ouais, ça, mais en plus. C'est un grand réservoir. Mais vous êtes payé à la course, pas à votre trajet personnel, non, on s'en fout. Je suis au kilomètre. Oui, mais t'es au kilomètre à partir du moment où tu me prends. Pas ah oui à partir du moment à où tu. Du moment où non, tu dis de la merde, tu dis de la merde. Non, tu dis de la merde. Viens là. Ça ne regarde pas de où est-ce qu'il était. C'est un gamin par contre. Lui, je vais le tuer, lui, il est mort. T'imagines t'appeler un taxi? Non, mais je vais le tuer. Mais c'est pour ça personne n'appelle le taxi, regarde attends, ce qu'il fait, frère. Mais c'est dinguerie, hein. 400 balles, vraiment, c'est abusé. Hein. Non, mais c'est pour ça personne n'appelle les taxis, Roya. Oh la dinguerie! Surtout quand tu fais une facture, t'es obligé de la payer, tu peux même pas la refuser. Ouais, bah ouais. Tu vois, si. Donc. Après, tu peux la retirer si tu plains et tout. Ouais, mais voilà, laisse tomber, c'est trop relou, tu vois. Ouais. Mais il a fait une dinguerie là, par contre, hein. Zama, t'imagines? Tu payes un taxi? Là, il m'a baisé. De là où il était. Il m'a niqué.
plus, tu peux pas savoir là où il était. Se trouve, il était à mytho, il était à 1 km. Non mais, mais même il est dans le nord, nous on en a rien à foutre, regarde. Ouais, donc on va le tuer, Non, on va le tuer. Vas-y. Cartéris, petit... Vas-y, masque. Là, il fait nuit, là, c'est le moment propice. Perpétuel. Là, masque, du coup, tu fais le guet. T'as l'habitude, regarde. Vas-y, je vais faire le guet. Vas-y. Vraiment, on insiste beaucoup sur le mot guet, en ce moment, on abuse un peu. Moi, je fais le guet, ok. Ok, c'est parti. Vas-y. On va dans les quartiers riches. Si c'est une réussite, bah... Vas-y, Roya, on reste en appel. Et moi, je te dis quand ils sont là. Vas-y, carré. Oh, ouais, la femme, elle a 6 mains. T'as quoi? La photo, elle avait 6 mains. Escroc, va, escroc. Non, attends, chut. Ya, lève les mains, man. Wow, encore. Ah, merde. Il est où, le couteau? Je lève les mains du coup. Ouais, tu vas lever les mains, moi j'ai une cadence de Nikov dans les mains. Attends, mais bro, attends, mon couteau! Descends. Non, mais c'est pas lui! Merde! Oh, toi dans la voiture, attends, on a une question à te poser! Ton collègue! Quel collègue? Il s'appelle comment? Roya, c'est combien une course? De 800 mètres. De 800 mètres? Ouais. C'est 40. Quoi? Ça dépend. En fait, non, ça dépend. On doit calculer le temps de où on arrive pour vous chercher. Enfin, les kilomètres où on arrive pour vous chercher et les kilomètres que vous nous demandez de faire. Mais monsieur, mais ça nous regarde pas. Combien de kilomètres tu fais? Quand on appelle un taxi, ça nous regarde pas, on s'en fout. Oui, mais en fait, si le taxi il est à Paléto, et ben l'essence qui. Ouais. Mais ça fait jamais 300$ de Paléto. Ah là, C'est 40$ le kilomètre en fait. Et à chaque fois, c'est le taxi le plus proche qui prend l'appel. Donc Attends, 40$ le kilomètre, je l'ai appelé, il m'a dit 3 km. Ça fait pas 400 en tous les cas, il nous a ken. Pourquoi ça n'a zéro sens, okay, monsieur, t'imagines? Attendez, mais on appelle un taxi? Ferme ta gueule, il a dit. Écoute-moi, tu m'entends là ou pas? Oui, monsieur le familier. Est-ce que vas-y, redis-le pour voir. Ouah, t'as fait des dingueries, je crois. Vas-y, redis-le. Quoi? Vas-y, monsieur, quoi? Non, c'est bon. Non, mais vas-y, moi j'ai kiffé. Il a kiffé. Redis. Ah, non, c'est bon. Mais redis! Mais redis, je te tue! Non, je peux pas. Non. Mais redis-le! Oh non, la tête d'or. Ok, j'ai dit. Allez, vas-y, redis. J'ai dit que c'était un familier. Voilà. Hey yo, bro! Parce qu'il a dit. Circulez! Viens là, je te braque! Bouge pas. Bref. C'est je sais pas, je suis apprenti. On s'en bat les couilles. Est-ce que t'as le numéro de tes collègues? Non, je suis arrivé. Genre avant-hier en fait. Mais vous avez pas de numéro de centrale, de WhatsApp où il y a tous les numéros, quelque chose, non? Je sais. Il nous faut. Normalement, écoute, il s'appelle en fait. Écoute, moi je suis un familiste, le gang le plus chelou de cette ville, ok? Dangereux. Voilà, moi je suis ami avec les familistes, moi. Non, je m'en bats les couilles encore. Écoute-moi. Bah voilà. Donc maintenant, regarde, écoute-moi bien. Si tu réussis à me faire un rendez-vous avec le mec, je te paye. Mais je sais pas qui c'est, c'est un blanc. C'est un blanc. Tu vas trouver. C'est un blanc. Mais fais tes recherches. Tu regardes en fonction de qui est en service. Regarde, tu fais en fonction de qui est en service. Et la dernière facture de 400$. Tu vas trouver, t'inquiète. T'es intelligent, toi. C'est bien, mon petit. Je peux pas être plus précis là. C'est un blanc. Voilà. C'est un blanc, et là il est en service et il a fait une facture de 440$ exactement. Voilà. Bah, en fait, le truc c'est que là je suis seulement en service et après les deux autres c'est des blancs en fait. Bah voilà, tu fais une facture de 400$. Tu demandes à qui a fait la facture de 400$. Vas-y, viens, on va voter. Ok, je demande radio si tu veux. Oh, bah dis-le, voilà! Dis-le, urgence! T'as des sous? Mais vous avez des sous? Oui! Ok. Mais ferme ta gueule, on te menace là! Y'a quelqu'un qui a fait une. Mais non! Mais non, il est con lui! Vas-y. Okay. 440. Qui a dit oui? Quelqu'un dit oui? C'est un mec qui s'appelle James. James comment? Je sais pas, c'est juste. Trouve-nous son numéro, on va te planter. Allez, monte dans la camionnette. Voilà, tu veux vraiment qu'on en arrive là? Non, mais t'inquiète, mais tu vas monter quand même, monte. Non, mais viens, on va discuter à l'intérieur. Monte avec lui derrière. Fais-lui un analogue là. Monte, je vais te faire un analogue, tu vas voir. Monte. Mon taxi. On s'en fout de ton taxi. On a rien à foutre, tu fais le foie avec nous. Écoute-moi, voilà.
Donc là, là maintenant, écoute-moi bien. Tu m'entends là ou pas? Ouais. Fais pas le malin, laisse la porte ouverte. Laisse la porte, je vais te tuer. Laisse la porte ouverte. Mais je fais. Mais laisse la porte ouverte. Je vais te tuer. Écoute-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il est malade. Aïe. Ça va la conduite, Roya? Mais c'est y'a un mec qui nous fonce dedans là, Roya. Ouais. Il fait la toupie. Mais bref. Ferme ton bec, toi, t'as dit. Ferme ton clapet, même, je dirais. James, comment tu vas nous trouver? James, comment? Comme il a dit mon collègue, tu vas trouver dans les dossiers. Demande-lui son numéro, tu vas demander son numéro de téléphone. Grosse transaction face de nous. Je te jure, il y a une transaction. Voilà, il y a une grosse transaction parce qu'il a sorti une arme. Vas-y. Alors? Bah ok, je vous dis ça. Je regarde dans le WhatsApp du coup, c'est ça? Tu vas faire vite, on va te planter, fais vite là. Je regarde ton téléphone, hein, je te dis. Un faux mouvement, un geste brume, tu vas voir. C'est la jugulaire qui sort. C'est James Barnes. Ok, James Barnes, ok, son numéro de téléphone. Ah putain. Attends, faut que je change, faut aller sur l'autre groupe WhatsApp. Allez, va. Son numéro de téléphone ou tu vas sauter dans le vide? Tout seul, hein, je te le dis. Hein. Tu vois le vide là? Ok, c'est bon, je l'ai. Okay. Tu notes? Ouais, vas-y. Vas-y. 53. Attends. Vas-y, 53. 18, 45. Vas-y, taxi. James. C'est moi, je t'en ai merde. La ramène. Eh ouais. Non, mais c'est bon, mais je suis otage tout le temps. Oh, arrête de chialer. Arrête de le faire là. Oh, arrête de chialer. Tous les jours, je me fais braquer. Aujourd'hui, c'est pas le problème. 722, 705. C'est 722, 705. Je passe toute ma vie à l'hôpital. 722, 705. J'ai jamais travaillé, je suis toujours en arrêt. Je me fais tirer dessus, je me prends des coups de couteau aussi. Ok, tais-toi. Tu sais t'inquiète devant toi là ou pas? Les plus grands bandits de la ville. T'as les plus grands bandits de la ville, Roya. Les criminels de guerre. Bah, ça me doute pas, c'était un family, c'était un grand bandit de la ville. Bien sûr. Tu crois quoi? Nous, dans notre équipe, y'a que des rageuls, y'a que ça. Ouais, en fait c'est bon, je vois du coup, ouais, c'est bon. Que des rageuls, ouais, comme il a dit. Bah, j'ai vu, James, il t'a facturé de 440. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi exactement la facture 440 gratuit comme ça? Comment? Et 440, il y a écrit quoi dans la facture? Je les carotte, c'est ça? Le motif, le justificatif. Il y a pas de motif. Ah, vous détaillez pas? Non, c'est pas ça. Ah, moi ça déclare. Bah alors là, ça va partir en guerre là avec. Mais non, mais je veux dire, on fait que des courses, on fait rien d'autre. Je vais tous vous. Il est au téléphone, oui, attendez. Oui, sa meuf, là. Oui, c'est bien James. Oui, c'est qui? Il appelle James. Oui, c'est Micheline. Je vous appelle car j'ai besoin d'un taxi. On m'a dit que vous êtes le taxi le plus mignon de la ville. Si ça se dit, vous êtes où? Je suis au niveau du parking rouge, s'il vous plaît. Tu vas descendre là, descends. Du parking rouge? Non, descends, descends, va te tuer là derrière. Mais putain. Je dépose un concitoyen et j'arrive. Vous arrivez dans combien de temps à peu près? Maximum 3-4 minutes. 3-4 minutes, je vous attends. Très bien. Hop là! Regarde, t'es déposé où? Regarde! Il est où? Il est en train de courir derrière! Roya, il est là dans 3-4 minutes! Où ça? T'as dit où? Là, j'ai dit parking rouge! Oh merde, mais non! Pourquoi? Fallait pas? Bon, dis-lui un autre endroit, dis-lui. Où? Parking Arcadius. Ah oui. Parking Arcadius, ouais. Exact. Oh putain, la vache. Eh, hey, mais Roya, je vais lui montrer. C'est... Oui, allô? Oui? Oui, pardonnez-moi de ma désinvolture. En fait, je suis actuellement au parking d'Arcadius. Arcadius? Oui. Bah, envoyez-moi une position et j'arrive. Oui, je vous envoie la position tout de suite, beau gosse. A de suite. C'est bon. Hop là! Un vrai professionnel, Roya! C'est tricard de ouf là dans un parking comme ça. Non! Non, ça va? Non! Ouais! Ça va! Je me mets à la place ici là. Hop là. Place bleue. Bon, par contre, l'autre il est mort là par un gang. Du coup. Attends, tu l'as déposé où? Mais il est où là?
Parce que je l'ai déposé dans la transaction. Je l'ai déposé, ça se trouve, il va se faire tuer, ça se trouve, hein. C'est possible. On va le récupérer, en vrai. Le pauvre, il en avait marre. Appelle-moi, tu peux m'appeler, s'il te plaît. Tu peux m'appeler, hein. Tu peux m'appeler. Non, désolé, désolé. Non, mais je suis... Non, mais j'ai de la flemme, frère. C'est ton problème, maintenant. Alors, d'accord, vas-y. Ah, m'sate. Allô. Mec, il a pas compris. Eh hey, bien, dans combien de temps, lui, le bâtard, là? Non, mais attends, faut que je lui envoie la pause, mais je sais pas comment on fait. 440$. Tout à l'heure, j'ai fait une supérette, on m'a facturé 100$. 440. Ah, dinguerie. Un voleur. Comment t'abuses pour que je le tue? Moi, c'est moi, je veux que la guerre. Roya, 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 Roya. Ah, ouais, ouais. Je lui ai dit que je m'appelais Micheline. Micheline? Ouais. On fait la voix. Ok, moi, je suis James. Bonjour, James. Ok, salut, ça passe. Ça va. Micheline, ok, ça va. C'est Micheline. Hey, dis-moi si c'est bien l'enfant en vrai. Vas-y, vas-y, fais l'enfant. Vas-y. Bonjour. Alors moi, c'est Thomas Teich. Moi, j'aime trop les vidéos Fortnite avec les V-Bucks. En vrai, je sais bien ou pas, ça. Hey, la vidéo, tu le fais bien. Attends, mais l'enfant, c'est dur à faire. Ah, ça fait mal à ça. Oui, oh, je pense avec à la gorge, oui, ça fait mal. C'est bon quoi, oui. Viens, on fait un gang d'enfants à chaud. Oui. Oui, c'est-à-dire, et on va tous vous tuer, vous allez voir. Et vous crevez quoi, vous allez voir, pour des tuateurs. Mini Kefta. Et je vais vous tuer à coup de V-Buck. C'est quoi les V-Buck, Kefta? C'est la monnaie dans Fortnite. Ah, ok, ok, j'ai cru. Oh, mais pourquoi on appelle ça V-Buck? Oh, chiap. Si, leur jeu, il a flop un peu. Non, mais pourquoi V-Buck? V-Buck, je sais pas. Pourquoi pas Fortnite Buck? Je pense que ça doit être une private joke du patron. Tu penses? Ah mais c'est pas un délire, sa fille elle s'appelle Vanessa et... c'est la monnaie Vanessa. De Vanessa. Le kiff les Starbucks, V-Buck. T'imagines? Skinny, Regular. Putain, James il met du temps, lui on va le flinguer. Déjà 440$. Ouais, James, on va envoyer 440$. J'ai un message. Vas-y, rappelle-le. En plus j'ai plus d'essence, faudrait mettre le plein là. Oh à cause là de là lui. Là. Avec quoi vous? Oui, allô? Oui, allô, beau gosse, alors vous êtes où? Je mets de l'essence parce que je tombais en panne là. Ouais, je vous attends avec impatience. Hop là! Il a okay. Rien. J'ai une idée pour pas qu'il se doute qu'on soit une camionnette rouge bizarre et tout, il va pas rentrer. On va prendre le temps à mettre le plein, comme ça il va t'appeler dès qu'il est là, et après on arrive nous. Vas-y. Alors attends, le plein là, le plus proche là? Le plein le plus proche. Le plein le plus proche, il est là-bas. Oh, attends, y'a Halib. Alors, il est mort là? C'est pas. Allo, Halib? Là, nous, on va faire un braquage de maison là. À la base, les gars, on devait braquer une maison. Donc, ça va être une maison quartier riche. Au pire, tu sais quoi? Non, j'ai pas reçu. Trouve-moi. Aïe! Trouve-moi une grosse maison quartier riche. Ça fallait mourir, quoi. Non, mais on trouve une autre quartier riche et vas-y. Et tu m'envoies une pause. Ah, je fais bien, Hayat, hein. Moi, je t'aimais tout le. Ah, mais bug, c'est à dire virtual. Bug. Mais bug, c'est à dire quoi, bug? T'es moi, Kefta. De quoi T'es moi derrière. Oh, j'ai. Là, s'ils savent que c'est Tobias Well et Mouloud Kefta, on est mort. Inch'Allah, les familles se font attraper. Oh. Attends, j'aime trop quand c'est comme ça, c'est trop stylé. Attends, regarde de loin. Attends, je vais appeler Ronflex, je vais dire, ouais, tu fais quoi? Oh, trop stylé, t'es moi. Allo. Ça va attends, ou quoi? Attends, on est en pleine course poursuite, je te rappelle. Comment ça course poursuite? C'est qui va faire le ménage? Non, pas course poursuite, on est en. C'est qui va faire le ménage? Ah, c'est toi-même. Quoi? Je te prends un balai, yo. Ah bon? Bah ouais. Vas-y, et fais attention, te fais pas attraper, hein. Bah de toute façon, si t'as pas de message, c'est que je suis morte. Vas-y, ça marche. Salut! Ouais, comme ça, bisous! Vas-y, bisous! S'il n'y a pas de message, elle est morte, ça veut dire. Ah ouais? Je vais me trouver une autre meuf. Oh la vie, non, c'est magnifique! Oh, c'est stonks de ouf! Claque dans ta gueule, oh là là! Pourquoi elle a un problème là? Apparemment, elle va mourir. Trop bien! Ça veut dire que si elle meurt, je pourrais mettre avec une autre meuf en toute hlalitude. Et en plus, t'es marié avec elle, donc t'auras tout son héritage. Même si elle a que 3 carambans. T'as vu la gueule de l'héritage, regarde. Ouais, j'avoue. Elle a que du papier cul en héritage. J'avoue, la dot, c'est 2000 dollars. Maximum, hein, regarde. Pourquoi je fais comme ça avec ma main? On dirait Kim Kardashian, Zama, avec mon petit sac.
Il est là-bas, vite. Vas-y, go. Oui, je suis à la position que vous m'avez envoyé là. J'arrive tout de suite, excusez-moi. J'étais aux toilettes, je faisais caca. D'accord. Hop là, il a rien. C'est bon. Vas-y, go. Ok, go, mets pas de ceinture comme ça, t'inquiète, on sort direct. Vas-y. Ok. Je mets quand même ma ceinture vu que c'est toi qui conduis. Ouais, t'as raison, on sait jamais. Même moi, j'ai mis, on sait jamais. demande-lui. Enfin, non, on demande quoi comme revendication? Attends, mais je suis con, je le braque, mais il a mon numéro. Ah, c'est pas grave, ouais, allez, ouais, go. Avec sa mère, aussi. Mais on lui demande quoi comme revendication? Des pastilles. Vas-y. Bonsoir! Oui, allô? Où j'ai parlé avec moi? Oh merde. Voilà! Bonsoir, descendez du véhicule avant qu'on vous plante un couteau dans la gorge. Allez, descends ton véhicule, James. Alors, c'est qui va planter le couteau de qui dans la gorge? On rigolait! Alors là, monsieur, arrêtez-vous et sur le. On aurait dû te prendre au moins. Prends-le. Viens là! Je vais te mon couteau, je vais te jeter mon couteau. Je te jure, on va te prendre. Je te jure, tu descends, tu montes dans la camionnette, ou t'es mort. Voilà. Ou t'es mort, tout de suite. Tout de suite. Actuellement, il y a une prise d'otage. Tout de suite. J'aurais besoin de. Tout de suite. Prise d'otage, n'avais pas de flingue, putain de merde. Actuellement, on est dans la merde. Oh, Starform. Oh, putain de merde. C'est la merde de merde. Écoute. Et James, t'as fait une facture à un mec tout à l'heure, non? Hein? De 440$ à peu près. Au roi de la ville. Ouais. C'est bizarre parce qu'apparemment c'est une grosse arnaque ta facture. Il a entendu, il m'a envoyé, c'est lui qui m'envoie. Moi, c'est lui, il m'envoie, c'est pas moi là, je te braque. C'est lui, il est ailleurs en fait. Là, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, James! Ouais. Je voudrais savoir pourquoi, James? De quoi? Attends. Il parle plus fort. Hein? Je voudrais savoir pourquoi. C'est lui. Non mais quoi? Ah voilà. Pourquoi t'as fait une facture aussi haute de 440$? Parce que je partais du nord, il fallait que je parte du nord. Mais James, on va te faire comprendre un truc. James, attends, je vais l'expliquer. Vas-y. James, ce que tu comprends pas, c'est que nous... C'est que James, nous, on sait pas d'où tu viens. Ce que je veux dire, on s'en fout un peu. James. Ah mais ils se sont niqués. Ouais, ils sont niqués. Quoi? Tu les as niqués avec un rompo? T'as capté. Jure. Ah frère. J'ai jamais vu. Bien pour rien, frérot. J'ai jamais vu. Oui, James, du coup. Ah, oh, James, t'as de la chance. Pas comment, vous avez... J'ai rien dit. Allez, Allons, on flex. Descends. Ouais, du coup, tu m'avais appelé pour quoi, en fait? Je t'avais appelé, c'était pour savoir... Voilà. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Nous, bah, notre ami. Oh, attends, tais-toi. Je me fais courser par les gars. C'est bon. Par qui? Par la police. Viens là, James. Vas-y, tire. Non, là, normalement, si tout va bien, on va tuer James. Il a volé un mec qui s'appelle Kefta. Déjà, tu vas nous rendre 440$ pour le mec qu'on va le rembourser. Alors, j'ai pas sur moi. T'as pas sur toi? Ça va être simple, James. Y'a la police! Remonte, James! Je vais mourir, Ronflex. Sache que si je meurs, Ronflex, eh ben. Regarde ce que tu veux dire. Franchement, notre mariage, il était un peu claqué, hein. Mais c'est pas grave. Allez, salam, Ronflex. Elle meurt pas, hein. Vas-y, normalement, je vais pas mourir, on sait pas. Mordre-les, si t'attaques, mordre-les. Je vais les mordre, Vas-y, mordre-les. Ça marche une fois, là, la fuite avec un rompo, mais pas deux fois, hein, Roya. Mais Roya, comment ils nous ont retrouvés? Je sais pas, ils sont trop forts. Technique, hein. C'était logique. il nous répond, il est dans sa voiture lui. Technique, hein, Roya. C'était logique. Roya, aïe. Je vais sortir ma carte maîtresse. C'est quoi? T'inquiète. T'as des Pokémon sur toi? Allô? Le A, j'ai besoin de toi, mon pote. C'est qui le A? Le A? Ouais, tu m'entends? J'ai besoin de toi. Tu te fais chasser? Ouais. Vas-y, et on a un otage, Roya. Écoute, calme-toi. Si c'est toi qui conduis, Et des renforts qui arrivent proprement. Mais là le problème c'est qu'on est sur une prise d'otage, mon gars. T'inquiète, ça va aller. Tu sais quoi? Ouais. Là, ça va être simple. T'as toujours l'otage avec toi ou pas? Ouais, j'ai toujours l'otage avec moi. Ok. Écoutez, essayez de vous mettre dans un endroit. Ok. Là, on roule tranquille. On a un rompo, mon pote. On peut pas aller loin. Ok, bah tu sais quoi? Si t'as toujours ton otage, ouais, vous allez vous mettre dans un endroit et on va venir vous récupérer. Vas-y, ça marche. Oh, et bon, tu menaces les flics, tu vois, tu les laisses pas
Oh, essaye attends. De trouver un endroit qui a deux entrées. Attends, mais les amis à la main là, mais ils sont où? C'est bon. Oh.